Président République là, Excellence Michel-Joseph Martelly, accompagné Premier ministre Laurent Salvador Lamotte, participé dans la cérémonie commémoration Jour des AEA, mercredi 2 janvier 2013 là, dans le musée Panthéon National. Cérémonie offrande à recueillement ça qui déroulait en présence membre cabinet ministériel là, à cadre d'administration publique là, président Cour cassation, président Sénat République là, directeur général et membre commandement PNH là, et puis premier ministre Curaçoa, c'est occasion pour chef l'État à méditer et puis rappeler rôle dans cette yoté joué dans la lutte pour l'indépendance avec Fondation Nation. On vous de méditation, bien sûr, on vous pour nous songer à yo qui fait que vous dites à nous ça nous y est. On vous pour nous penser à qui ça a été gagné en tête, qui ça a été fait. Vous venez pour nous penser à côté nous et vous dire pour nous faire une évaluation, pour nous dire est-ce que nous arrivons côté de deux rivières. Il est vrai que partout sur la terre, même pays qui plus développé, il y a confronté des problèmes toujours. Mais nous-mêmes, il faut que nous conscientons que côté nous y est, nous misons trop sur route, nous négligeons le pays nous trop, nous manquons d'avancer, nous manquons de prioriser Haïti. Nous manquons d'un sens patriotique à la caille. Nous pensons que nous manquons de remplir de devoirs civiques nous, en tant que citoyens. Donc, pour nous avancer, une simple question d'environnement qui peut protéger petite nous, qui peut protéger le pays nous, nous faisons le contraire de ça que nous avons pour nous faire. Donc, il est important pour nous penser à bagarre ça. Je veux dire, heureusement que Haïti a un leadership qui parlait de ça, qui a parlé d'environnement, qui a décrété 2013 l'année de l'environnement. Parce que déjà, Haïtiens, nous voulons vivre bien. Pour nous vivre bien, il faut vivre dans un environnement qui est sain, un environnement qui prête au progrès, qui prête au développement, qui pas prête à rendre la destruction plus facile, qui pas prête à permettre de détruire les Haïtiens et faire en sorte que les petits pays vivent dans de mauvaises conditions pour de l'eau à beauté, plantation, monde, pour de l'eau à beauté, quand même. Donc, l'important. Pour nous prendre vous ça, pour nous réfléchir à tout ça, pour nous qui ça nous fait vite, qui ça nous fait sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme. Parce que, en fin de compte, il y a des dossiers. Je voulais que pendant madame Nayo Gérinette, affaire vous et Timoun l'école là, je crois que faut le gérer net une fois pour toutes. Affaire de prendre environnement sérieux, je crois que faut le gérer net. Je m'a dit que nous avons fini un projet. Il y a un pile baraque pour faire. C'est sur 20 ans, sur 25 ans que nous avons fini de monter environnement nous. Et au niveau de l'agriculture, pour que Haïti, qui est un pays agricole, qui a produit, il est impératif que vous dites à nous mettre en phase sur ça. Et d'ailleurs, je parle de ça à PM. Non. Ouais, nous faisons éducation, nous retirons mon embattant. C'est deux dossiers qui sont plus difficiles que nous pouvons aborder là. Parce que dans l'environnement, déjà, même si nous disons que nous pouvons le planter, un exemple, vous dites à planter, c'est facile, c'est pas rien, c'est mettre un pied-bois dans la terre. Mais déjà, est-ce que Haïtien va le comprendre puis va couper les bois. Est-ce que Haïtien a une possibilité pour veiller bête, cabrite pour ne pas manger les bois? Est-ce que nous avons de l'eau pour poser les bois? Donc, ce n'est pas facile. Vous doit planter les bois et puis c'est pour les gens qui ont coupé qui ont planté. Donc, c'est deux dossiers qui sont vraiment difficiles à gérer, même quoi que l'heure à son heure. Nous voulons entamer. Dossier reconstruction Haïti, remettre Haïti sous pied. Lors de reconstruction, ce n'est pas couler béton seulement, mais environnement la donne. Et il faut que nous voyons nos gens pour que le travail nous puisse le faire, pour le pérenne, pour le durer et pour aider Haïti lever pour ce travail qui vient pour faire et que nous réussissons la donne. Président Martelly exprime vœu Haïti tourne une nation forte côté tout petit pays a capable de jouer tout droit. Yo. Li exhorter chaque citoyen pour remplir devoir envers pays dans l'idée pour remettre Haïti sur rail développement. Cérémonie commémoration jour des AEA à Nessa finit avec un défilé unité police nationale là sous champ de basse.